Bonjour et bon matin tout le monde, et bienvenue à notre si belle journée ici à Echo Holy Name. Nous sommes aujourd'hui le 15 décembre déjà, oui c'est le 15 décembre, et c'est encore un autre beau matin ici à notre école. On va commencer maintenant avec la prière du matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cher Père, merci pour la vie, la lumière du jour et la santé aujourd'hui. Merci pour la belle température. Merci pour tout ce qui s'occupe de l'école Holy Name. Merci pour nos parents qui nous aiment et nous donnent tout ce qu'on a. Seigneur, s'il te plaît, fais que cette année scolaire devienne une bonne année scolaire pour tous les élèves de notre école, malgré la pandémie. S'il vous plaît, aide à ce qu'on n'attrape pas la COVID-19. Aide-tu les élèves de l'école Uninime à être en sécurité avec leur famille et leurs amis. Saint nom de Jésus, ayez pitié de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hey, merci beaucoup pour cette belle prière faite en deux. Excellent. On va maintenant transitionner aux prévisions météorologiques. Bonjour, je m'appelle Erica, je suis l'élève météo du jour. Aujourd'hui, nous aurons une température maximum de 0 degré Celsius et une température minimum de moins 4 degrés Celsius. Il y aura du soleil et des nuages pendant la journée. Il y aura du vent sud-ouest à 9 km par heure. L'humidité relative sera de 59%. La visibilité est de 24 km. Le temps est relativement beau aujourd'hui, mais la neige est glissante dehors. Alors, fais attention en jouant pendant la récréation. Bonne journée! All right. Merci beaucoup, Erica. Excellent. Des belles annonces de météo aujourd'hui. Oui, finalement, il fait beau encore. Hier, il faisait un peu froid, mais maintenant, il fait beau. Surtout pour le 15 mi-décembre. All right. Quelques annonces pour aujourd'hui. Où est ma liste d'annonces? D'abord, n'oubliez pas que jeudi sera notre prochaine journée thématique. Red Green Day, this Thursday. So, make sure that you're wearing something red and green. In your classes, you might have something else planned to celebrate and recognize the last day of school before the Christmas break. That's fine, too. You can incorporate red-green into that, by all means. J'aimerais accueillir quelques suppléantes qui sont ici aujourd'hui. Ce matin, on a Madame Laura, qui est ici encore une fois, cette fois-ci pour Madame Thérèse. Et cet après-midi, Madame Maya sera de retour pour Madame Mélanie. Aussi bien, cet après-midi, on va recevoir Madame Janice, qui sera ici pour Madame Thérèse en après-midi. N'oubliez pas la cantine, les commandes pour la cantine après les annonces. Donnez de l'espace entre toi et les personnes devant vous. Et qu'il nous reste que quelques affaires dans sur notre menu. Remember, there are a few things that we're running out of on our menu because we're not replacing things until we're back in the new year. So, what you order, Madame Hannah may have to tell you that, no, we're out of that for now. You may have to make another choice.
As well, too, if you have any candy cane orders in your backpacks, if your parents sent the order form or the list for candy canes in this morning, please make sure they get sent to the office first thing, please, so we can finish that up and get those out and ready for you. And, of course, we have jeudi, on va avoir notre concert de Noël et notre liturgie. C'est deux affaires le même jour. The concert is almost ready. I've seen all of your performances. They're fantastic. And we've got a few extra treats mixed in with it, too. It's going to be set up online for you to watch with your parents, with your families, in the comfort of your own home. And you'll also be able to invite your grandparents to watch it, friends and family and grandparents and so on, online as well. Aujourd'hui, les anniversaires pour aujourd'hui. You know what? Le 15 décembre, on n'a pas personne aujourd'hui. So we're going to skip right over birthdays today because we don't have anyone in our community with a birthday today. So for that, we're going to move right to our national anthem, Notre National. Alors, si vous pouvez vous lever pour au Canada. Ça, c'est presque tout nos annonces pour aujourd'hui. We just have a couple of things left. Notably, we have our daily challenge. Daily challenge for today. Winter is usually a cold time of year. And there's an old Japanese proverb that says, one kind word can warm 3 winter months. One kind word can warm 3 winter months. It's a very wise proverb. So here's your challenge for today. Send a kind word or affirming text or email or message in some manner, however you like to communicate with other people. It could be written, it could be spoken, it could be by text. Send a kind word or affirming message to 3 people that you care about today. Ça, c'est des annonces pour aujourd'hui. On va maintenant tourner à notre jeu de trivia. We're going to turn to our trivia game today. For December 15th, day 10 of our 12 days of trivia. Day 10. Kindergarten, grade 1 and grade 2. How many times does Santa say ho? How many times? I think we all know the answer to that. Make sure when you give your answer that you give it in the appropriate manner, just like Santa Claus would. Grades 3s and 4s. What are the names of all 8 of Santa's reindeer? That's right, 8 of Santa's reindeer. You may be thinking of 2 others that are in when we think of Santa's reindeer, being Rudolph and, of course, Olive. Olive is the other reindeer. But the main group is the 8 reindeer that pull the sleigh. What are their names?
Hey, c'est que mes sixième. Around the world, Santa Claus is known by different names. We here in Canada, we call him Santa Claus. Ou Père Noël en français. But in Great Britain, England, Scotland, Wales, Northern Ireland, and Great Britain, also Ireland itself, not part of Great Britain, but still, they use the same name. How do they refer to Santa Claus? What do they call Santa Claus in Great Britain? All right. Ça, c'est les questions pour les amis. Maintenant, la question du staff. The staff question for today. Here is the staff question for Tuesday, December 15th, day 10. In the movie Elf, starring Will Ferrell. In the movie Elf, what is the name of the sea creature? Not what kind of creature is it, but what is the creature's name? What is the name of the sea creature that comes out of the water to say goodbye to Buddy when he leaves the North Pole to go find his father? What's the name of the sea creature that comes out of the water to say goodbye to Buddy when he leaves the North Pole to go find his father? I'm expecting answers by email. They'll be coming out very soon. Et comme ça, je vous souhaite tous et toutes une très belle journée. Bye bye tout le monde.